Bon, ça me saoule, là, il y a trop de monde sur ce putain de réseau. Ah, c'est bon. Attends, on en était où déjà? Épisode 9, c'est presque fini. Ça. T'es sûr? T'inquiète. J'en étais sûr. Monsieur Vallès, il y a un problème? Ah oui, alors oui, je crois qu'on peut dire ça, oui. J'en reviens pas, là. J'en reviens pas que vous ayez détourné le réseau Wi-Fi de la salle des profs. Qui a fait ça? C'est moi, monsieur. Non, non, c'est pas elle. Taisez-vous, vous! Dans mon bureau, immédiatement, mademoiselle Lecomte. Qu'est-ce qui se passe là-bas? Non, mais je rêve! Dégagez-moi de là! Tout de suite! Allez! Allez plus vite que ça! Non, mais... Mais vous vous foutez de moi, là, hein? Vous m'aviez parlé d'un espace sieste, pas d'un bordel! Je peux tout vous expliquer? Ah oui! Vous pensez vraiment pouvoir tout m'expliquer? Hein? Le réseau Wi-Fi, ces débordements décadents, les fractions du lycée. Et c'est quoi la prochaine étape, hein? Organiser des combats clandestins dans le foyer? Ou une salle de shoot où les élèves pourraient venir se piquer, tranquille? Non mais on est où, là? Franchement! Et puis ça, là, ça. Ça aussi, j'avais oublié, ça. Le comble du foutage de gueule! Bon, alors maintenant, c'est terminé. Prenez vos affaires, tout le monde en salle de permanence, le foyer est fermé. Et vous viendrez tous, samedi, pour me repeindre cette horreur en blanc! Non, on touchera pas à cette fresque. Parce que vous appelez ça une fresque, vous? Putain, mais c'est un hommage à Jackson Pollock, vous êtes aveugle ou quoi? Surveillez votre langage, monsieur Lallemand. Eh, y a pas de langage, on touche pas au mur, c'est tout. Monsieur, soyez sympa, 5 minutes, là. On l'aime tous, cette fresque. C'était pas une œuvre d'art, avant. Ah oui? Très bien. 4 heures de colle pour tous les deux. Faites très attention à ce que vous allez me dire, jeune homme, hein. Pardonnez-moi, monsieur. Mais ce mur, on y a tous participé. Et si on l'a repeint comme ça, au-delà du fait que vous ayez donné votre accord, c'est parce que ça représente quelque chose pour nous. Toutes ces couleurs qui se mélangent, c'est le symbole de nos différences. Vous voyez, noir, blanc, gay, arabe, hétéro. Ça montre qu'on peut tous vivre ensemble. Qu'on peut tous se mélanger. Même si on est tous différents. Vous êtes sûr de vouloir effacer ça? Et de toutes les couleurs en plus, vous voudriez qu'on repeigne le mur en blanc? Très bien. Très bien. Tant pis pour le mur. Mais la fermeture du foyer est définitive. Et vous avez 5 minutes pour me vider les lieux, sinon je vous colle à tous un avertissement! Putain, comment tu l'as tué avec ton discours de Miss France, là? Mais le foyer, il est quand même mort. Non, mais il est ouf, ce mec. Ça va? Oui, ça va, ça va. Merci, man. Bon, on va trouver une solution. Il y a forcément une solution. Mais ouais, t'inquiète, on va se battre. On va pas abandonner, hein. Et puis, bien sûr qu'il y a une solution. Hein? Ça va aller. On est là. Oui. Pour le foyer. Le foyer.